Les amis, eh bien bonjour. Nous sommes sur la dernière map, Frontières. Il y a eu 1-1 pour équipe bleue et équipe orange, une map partout. Nous sommes partis pour la dernière manche et Envy qui a envie de changer de team, mais ce sera pas possible. Nous sommes partis, nous avons lancé, c'est parti. Tout de suite, on peut pas modifier le team en cours de route puisqu'on a déjà commencé malheureusement. Frontières, dernière map, 1-1. Envy qui aura fait les kills. Alors Kakozo qui aura fait beaucoup de kills à la première map. Envy qui aura fait quand même pas mal de kills à la deuxième map. Pas mal de kills à la deuxième map. Envy. On part sur une phase d'exclusion. La dernière map, dernière phase d'exclusion. Envy qui aura fait la team. Donc 1-1 les gars, 1 partout pour l'équipe orange. Donc là c'est là où tout va être. Du coup, tout va se jouer. C'est vraiment la dernière map où tout va se jouer. On est parti pour la phase d'exclusion. Thatcher. Thatcher a été exclu par l'équipe orange. L'agent qui va être ban va être IQ. Ils ont bien retenu la leçon quand même. L'équipe bleue, ils ont bien retenu la leçon sur. Je sais pas si vous avez vu le deuxième cast, donc la deuxième map. IQ a été un des agents qui a fait perdre deux fois d'affilée Mira, qui a fait perdre du coup l'équipe bleue pour la deuxième map. Donc ils ont retenu la leçon et ils ont ban IQ. Quel camp sera ban sur la map frontière? Et le dernier agent qui sera ban par les oranges, l'équipe orange plutôt, pas les oranges. Sera. Echo. Ce sera Echo. Ce sera Echo, les amis. Fin de la phase d'exclusion. Bon, du coup, nous ne verrons pas ces agents durant cette dernière map. Et durant cette map tout court. Phase de sélection. C'est contesté au niveau du choix du spawn, mais c'est pas grave. Sinon. En bas, premier étage, casier des armureries. Premier étage, archive. Alors. Xenara, je rappelle depuis le début de la manche, je n'arrive pas à utiliser son pseudo, donc c'est le Castle. Elle n'a pas l'air d'avoir joué son agent. Donc en assaillant, on a Buck, Ibana, Ash, Capitao et Sledge pour l'équipe des bleus. Et en défense, Castle, Mozi. Et là, Jaeger et Bandit pour l'équipe des oranges. Et la Ibana qui sera changée par. On ne sait pas encore. Par une Twitch. C'est confirmé par une Twitch qui aura en plus de désamorceurs. Donc un agent, je comprends pas la Twitch des amorceurs puisque Twitch, je sais pas si vous savez, c'est un agent de soutien. Pas trop un agent d'assaut. Et non, c'est plus un agent de soutien qui reste derrière et si on a besoin de lui, il détruit le. Il détruit les bandits, etc. Ça joue armurerie. C'est un joueur armurerie, de toute façon c'est une map très. Enfin c'est une map connue en classé de toute façon. Et c'est une map et un spot connu ici, armurerie. Chacun a sa petite façon de défendre. Il y en a qui détruisent ce mur là pour avoir un visu sur la porte. Il y en a qui montent sur ça. Alors là c'est plus sur PC parce que je joue aussi sur PC. Il y en a qui montent plus sur ça pour avoir un visu sur cette magnifique fenêtre qui est là et pour avoir un visu sur ici ou même sur tout le truc. Donc en vrai chacun a sa frontière, chacun a sa vraie petite technique. C'est un peu comme Oregon. C'est les maps aux 1000 visages, puisque en fait, Oregon, on peut faire. Il y a toujours des techniques. Malgré que ce soit une map qui va être rework lors de la saison 5, qui va bientôt arriver d'ailleurs, c'est en fait une map où on trouvera toujours des solutions, des nouveaux spots, des nouvelles choses. Mais là, c'est pareil. Il y a toujours des choses, parce qu'en fait, c'est beaucoup de structures, c'est beaucoup de façades en bois. Et les façades en bois, on peut vite les casser. Et le premier kill, Xenos, il fera tomber. Slowway, la Twitch va tomber, Slowway. Ça n'a pas l'info. Là et là qui est très low. Forza qui fera tomber Xenox. 4v4. Slow qui est au courant potentiellement qu'il y a quelqu'un. En revanche, le Buck est aussi au courant qu'il y a quelqu'un. Avec son petit truc qui était posé. Ouh. À quelques millisecondes près, il aurait pu y avoir un kill. Il y a quelqu'un là. Là, il y a le bandit, je crois. Ouais, c'est bien ça. Il y a le bandit. Le bandit qui a vu le laser. Le bandit a vu le laser. Le bandit fera tomber Twitch. Non. Fera tomber H. Non. Par contre, Raven avec ses carreaux de flammes fera tomber So.
Envy qui est très 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 low par la H. H qui est bien sûr Kakozo. Kakozo, ses agents c'est H et. Ok, et Daniel G qui fera tomber. Sinon. Une flash a été jetée, le bug qui est entré. La hache qui va passer par l'autre côté, qui va passer par bombe B. Le Capitao qui s'avance, le Capitao qui a vu. Qui jamais fait ça. Oh, le kill, le kill. Le fameux travers. Qui a eu. Je rappelle qu'on est tous en partie et qu'ils ont mute les personnes respectives. Le désamorceur a été pour pouvoir parler. Je pense vraiment qu'on discutera après avec Kakozo dans l'équipe des Bleus. Pour entendre leur avis. Et j'espère qu'on les entendra. Forza qui fera tomber NMLG. Et la plante était posée, même si fera tomber Forza. Et 1-0 pour l'équipe des Bleus. Ah. Le. Ouais, le. On peut le voir là, sur ce replay. On peut voir que. Le Mozi. Ouais, le Mozi n'avait pas du tout l'info du bug. On l'a vu puisqu'il rushait face à lui. Donc, pas d'info. On essaiera de voir Kakozo à la fin si on a un peu de temps. Et si jamais le match dure pas trop longtemps. Et bien sûr on remerciera tout le monde. Je sais pas si je le ferai en caméra ou hors caméra. On remerciera tout le monde à la fin de ce match. En assaillant Bucking, H, Capitao et Dokaibi. Et en défense Valkyrie, Mozi, Vigil, Jaeger, Bandit. En assaillant je sais pas si c'est bon. Ouais, en saillant, ils ont remplacé la ligne par un Rakal et en défense, ils ont remplacé un Vigil par un Doc. Parce qu'ils ont pu remarquer que les agents qu'ils avaient, c'est vraiment des agents agressifs. Ash, Buck, qui d'autre ouais, Rakal, Capitao, même Dokaibi un peu agressif avec son pompe s'ils ont la bonne arme. Voilà, donc on fera un point sur les stats juste après cette manche. Donc ils ont vraiment pris un... ils ont pris le doc, c'est utile. Ça rejoue bombe A et B au même endroit, Muri, c'est bien dommage. Faudrait quand même que ça bouge. Et ça, c'est pas parce qu'on... Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. 10 secondes avant l'insertion. Je suis quand même heureux pour un premier cast de pouvoir caster un match en 5v5. Je suis très 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 heureux d'être avec vous, de vous parler, de présenter ce match. Parce que ça a pas été facile en vrai, on s'est dit ce matin, go, non c'est hier soir. Hier soir déjà on voulait faire un match. Kakozo qui fait tomber, qui a tenté le spawn kill. Mais Kakozo l'a bien vu, il fera tomber une balle dans la tête. Donc du coup hier soir on voulait faire une partie perso et ce matin on s'est dit pourquoi pas faire un 5v5. Et donc du coup ça s'est décidé dans la journée, on a réussi à trouver des gens, donc on remercie tous ceux qui sont là. Xenox qui fera tomber, Envy, on remercie tous les joueurs qui sont là, qui ont répondu présent à notre demande sur la communauté. Rainbow Six Siege, Slowway qui est très très low, et Xenox aussi d'ailleurs. Xenox qui a l'info sur le Slowway avec son racal, ses petits pieds, mais Xenox il fera tomber Slowway. Double élimination pour Xenox. 2 minutes 27, il l'a pas vu, mais si il l'a vu, mais c'est Mozi qui va tomber le Rakal, donc le Lucas. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Soho qui fera tomber Eden BFG. Kakozo qui fera tomber Soho. Moji qui va remonter, qui va se replier sur les. Sur site, qui peut très bien prendre tout le monde à l'envers. Il peut très bien prendre tout le monde à l'envers. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. L'équipe bleue a pris le désamorceur. Kakozo qui lance la plante 3 secondes avant la début du G-Diffuse. Le diffuse a été lancé. C'est magnifique. Ah, Capitao a l'info ou pas? Non, Capitao n'a pas l'info. Par contre, la H a l'info et donc du coup, Capitao a l'info bien évidemment. Et le Capitao va se faire la H qui tombera sous les coups de Mozi, mais le Capitao qui fera tomber. Le Mozi. Regardez, il a progressé et c'est bien joué de la part du Mozi malgré qu'il soit mort. 2-0 pour l'équipe. Des bleus, vite fait, je vous invite à faire pause pour regarder les stats. Premier joueur de la game des oranges, Forza, et premier joueur de la game des. Enfin, premier joueur des bleus, Kakozo. Ça prend la montagne, équipe de France, ça prend personnage de France, on est fier de représenter notre pays.
Lion et Montagne. En assaillant, Finca, Blitz, Ash, Lion, Montagne, en défense, Bandit, Mozi, Vigile, Mute, Jaeger. Est-ce qu'il va y avoir un Steam Show? On va voir ça tout de suite. Je rappelle que il y a eu un 1 en map. Un 1. En défense, le Jaeger va être remplacé par un Lésion. Et ce sera tout. Fin phase de sélection, début de phase de drainage et phase de préparation pour les défenseurs du coup. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Encore une fois le même spot, malheureusement ils changent pas et c'est vraiment leur vrai problème. Parce qu'en fait, ils changent pas de spot mais en même temps ils ne changent pas leur façon de jouer. Et le problème c'est qu'ils ils meurent à chaque fois. Donc si jamais il faut soit qu'ils changent de spot, soit qu'ils changent Alpha la façon de jouer. Localiser une bombe. Parce que du coup ils perdent malheureusement comme ça. En tout cas, ouais, c'est magnifique. Hein. On vous remercie d'être là. Avec nous, un mardi après-midi. Plus que 5 secondes. En période de vacances. L'objectif d'Alpha est de fin de la phase de préparation. Ça renfort les deux murs qui sont là. Ça même renfort ce mur-là. Ça renfort quel mur aussi. Ça renfort ces murs-là. Ça... Personne n'est CCTV. Donc personne pour le spawn kill. Ils ont tout ça sur le même endroit. Et donc j'ai Xenox, il y a deux boucliers. Le lion qui a été activé. Le temps du lion activé. Aucune personne n'a bougé j'ai l'impression. Ils ont sécurisé CCTV. Ils progressent toujours mais sûrement. Le mute qui vient de poser son mute. Le mute qui a l'info. Qui va faire péter ou pas? Non. Quel gros qui va tomber sur. Le smoke qui avance, le montagne qui avance, mais qui sera tiré dessus. Le Xen Raven qui fera tomber Envy, Slowway qui fera tomber Raven, et DMG fera tomber Zana, et Forza fera tomber Kozo, et DMG fera tomber Slowway. On avance, ça progresse. Le dernier agent, Mozi, la plante de DMG, qui a des fumigènes qui ne les a pas utilisés, le 3v1. 3v1, c'est tout à fait possible. Et Mozi va tomber DMG. Le montagne qui s'approche, le montagne qui va tenter de kill ou pas, non pas du tout. Le montagne, le Mozi qui va tomber, le montagne, mais la Finca Tichik était présent pour en soutien. Qui fera le... Donc du coup Forza qui tombera sous les balles de la Finca Tichik. 3-0. Changement du coup de poste. Les bleus passent défenseur et les oranges passent. L'équipe orange plutôt passe attaquant. Ah, ça va encore, il spawn quasi armurie. Alors je suis un peu déçu pour le coup de vous présenter de vous présenter un match en fait où il y aura que du quasi armurie et archive. On pourra pas voir en fait comment se débrouillent les autres sur la map, toi, sur d'autres postes. En défense, Tachanka, Wamei, Jaeger est là et Smoke. Et en attaque, Ash, Nomad, Blitz, Glaz, Maverick. Mais sixième choix pour les défenseurs de Wamei, on passe à Bandit. Et de Glaz, on passe à Zofia, c'est confirmé. Étonnant par contre le Tachanka. Alors est-ce que ils ont fait comme l'équipe, je sais pas si vous avez vu le cast de la deuxième map, je ne sais pas s'ils ont fait comme l'équipe de toute l'équipe orange. L'équipe orange est en train de gagner, et d'ailleurs a gagné le match, mais au début est en train de gagner, et a un peu trop sous-estimé l'équipe bleue. Et donc du coup il y en a un qui s'amusait à faire des 360 et essayer de tuer la personne, et du coup le Jaeger l'a eu au deagle. Donc en voulant en sous-estimant un peu les personnes, il a quand même fait 2 kills je crois le Jaeger. Si je me trompe pas. Donc il ne faut pas sous-estimer cette équipe bleue qui se débrouille plutôt pas mal. Encore 10 secondes. Les drones ont été détruits, ça va se placer. Le problème c'est que c'est comme c'est, on va dire c'est une semi, c'est moi pour moi une partie perso c'est comme une classée, enfin pour le coup là c'est comme une classée, plus c'est casté et tout. Ce qui est bien, c'est que il faut pas jouer les drones. En gros, quand on a l'info, on a le minimum. Quand on a l'info, on s'en va quoi. On reste pas. Et DMGG qui est en mauvaise position, j'ai l'impression. Mais Xenox est en soutien. Xenox s'est pris des balles.
Kakoto qui fera tomber la hache. C'est un qui décide de quitter la partie. C'est bien dommage. Ah non, bug de connexion, j'ai l'impression. En espérant qu'elle revienne vite. Le bandit qui a l'info sur le Maverick. Le Maverick ou le Blitz? Non, le Maverick. Yenvi qui fera tomber Kakozo, Xenox qui fera tomber SO. Et il a pas vu. Mais un défenseur est en danger. Et Damien qui arrive en soutien pour aider Xenox, mais ça ne marchera pas. Zofia qui fera Slowway qui fera tomber Xenox. Malheureusement. Alors, est-ce qu'il a crash, il a bugué? Ah ouais, a quitté. Soit a aussi quitté la partie. On passe du coup en 3, fait 5. Ouais, ça quitte la partie aussi vocale, donc c'est confirmé, il y en a qui quitte. Le Tachanka qui tente de sortir pour tuer la Zofia. C'est assez compliqué les 3v5, je suis bien déçu On peut pas dire qu'il soit un mauvais joueur, mais je suis bien déçu qu'il n'aille pas jusqu'au bout de la partie. En tout cas, on les remercie quand même d'être venus, d'avoir participé, d'avoir fait vivre, nous avoir fait partager, faire vivre ce match. Mais je rappelle que ce n'est pas une classée mais une partie perso, donc ils ne perdent rien, ils ne gagnent rien. La Zofia qui fera même pas le kill sur le smoke, malheureusement. Smoke qui balancera son gaz. Dommage. J'ai l'impression que chez l'équipe orange, ils sont en train de désespérer, donc du coup, ils ne jouent plus. La Zofia qui fera le double kill et qui fera tomber Aiden BG. 2v3. Les oranges qui ont l'avantage, mais pourtant ils se sont barrés. Donc c'est bien dommage en fait. Les Jaeger qui étaient bien positionnés. Le Tachanka qui a l'info. Vous imaginez, ils gagnent. Deux qui sont partis. Mais ils vont avoir le seum. Et ils ont gagné match remporté par les assaillants, mais j'ai l'air de regarder le Maverick, il est en train de rush. Et il aurait pu y rester, regardez le Maverick qui rush et le Tachanka aussi. Je crois qu'il y a eu une petite blessure de rien du tout, mais c'était rempli. Excusez-moi de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir dit ce qui s'est passé, mais en vrai là j'étais pas, je me dis mais qu'est-ce que fait le Maverick. On se retrouve en période de 5v3, donc j'espère qu'ils seront un peu plus gentils. Vous remarquez que quand ils sont plus que 3, ils gagnent, bizarrement. Du coup, ça joue en assaillant Zofia Nomad H. Je soutiens par contre l'équipe orange, là vraiment, les pauvres, ils sont que 3. En défense, Vigil, Kavera, Jaeger, Kaïd et Smoke. Est-ce que ça va changer pour le 6ème choix entre Zofia et H? Ce sera pas H, ce sera ni Zofia. Aucun agent prendra le 6ème choix. Aucun agent ne prendra le 6ème choix. Étonnant. Étonnant. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Ah, ça va. Enfin, je vais pouvoir vous montrer un autre spot que Alpha. Armurie. Armurie est bien, je vais pas vous mentir, mais en vrai, ça commence à casser un peu les bonbons. Très clairement. J'ai plus dans ma bouteille d'eau et j'ai hyper soif. Valky qui se prend quelques petites balles, j'ai l'impression que c'est en train de s'amuser. C'est en train de s'amuser avec EDMG, j'ai l'impression. 10 secondes avant insertion. J'ai l'impression qu'il y a, mais il y a l'impression qu'il y a un truc contre EDMG et Valky. Ah non pardon, c'est pas Valky, c'est Kavera. Qu'est-ce que je raconte? Il y a quelque chose hein. Pas avec elle, c'est Kavera, vous m'excuserez, en tout cas je sais même pas si je dis Kavera de... et je sais même pas si je confonds les deux depuis le début. Kakozo qui a failli, qui a essayé le spawn kill, qui a tenté le spawn kill mais ça ne marchera pas. La Zofia qui va détruire la caméra là-bas au bout. Kakozo qui se replace derrière le frigo. Tichy qui va tomber, Slowway. Ils sont presque tous low, très très low même. Le Jaeger est... Les assaillants ont récupéré le vigile qui va retomber. La nomade qui va aller chercher ce kill. Qui va empêcher le vigile de ressortir. Le vigile sait qu'il ne peut pas ressortir, sinon il va être propulsé. Il va détruire la percule, mais ça ne fera rien. Forza qui fera tomber Xenox.
En vrai, mec, je vous jure, les gars, il se débrouille hyper bien pour un. Pour 3v5. Il se débrouille comme des chefs. Nomad qui va s'avancer, il lui reste que son air jab. Nomad qui a posé son air jab à la porte. La Zozofia qui va peut-être s'avancer, mais elle a. Je ne sais pas si elle a l'info que le vigile a un potentiel d'ouverture. Ce match est tendu. 1 minute 45 à jouer. Ça va, ils ont le temps. Prenez le temps, les gars. L'airjab a été déclenché. Ils ont l'info que l'airjab a été déclenché. Ils ont l'info. La nomade est prête à recevoir notre ami le vigile. Mais le vigile ne se montrera pas. En revanche, elle ne sait peut-être pas qu'il y a un trou derrière elle et qu'elle peut très bien à tout moment mourir. Oui, oui. Ah, tu l'as vu. Tu l'as vu, le trou derrière toi. Le vigile qui s'est replacé. Non, le vigile qui a détruit la caméra. Rechargement. 1 minute de jeu. Restant. Eden qui s'amuse avec Raven, j'ai l'impression. Ça va. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Et c'est Psychic qui fera tomber Forza. Je ne sais pas ce qu'ils se. Psychic qui fera tomber Forza. Le 1v4, les amis. Le 1v4. On va regarder Zofia au milieu. Zofia qui tombera sous les balles de notre ami le Smoke, qui est Eden léger. Manche 5 remporté par les assaillants. Par les défenseurs. Par les bleus, du coup. Par les bleus, en tous les cas, sachez que c'était les bleus qui ont remporté le match. Victoire parfaite, 4-1. C'est la fin de ce cast. C'est la fin de ce BO3. C'est la fin de ce match, de cette aventure avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si on va écouter des gens. Peut-être je voulais voir Kakozo. Kakozo, on va vite faire regarder les groupes. Oh, je vous remercie. Je remercie les joueurs d'être venus.